Soyez donc les bienvenus, chers amis, encore une fois aujourd'hui, content de vous retrouver pour cette émission Quoi de neuf, et remercier Emmanuela pour sa patience et son professionnalisme. Emmanuela, ce n'est pas pour te flatter, c'est une vérité. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler d'un sujet plus que sérieux et ô combien poignant. Mais vous allez comprendre, parce que c'est mon sentiment quand je dis ça. Et pour en parler, je n'ai pas encore annoncé, mais quand même pour en parler, j'ai avec moi Madame Gorelle Marine, et qui va nous dire exactement de quoi il s'agit, puisque, entre guillemets, ben je peux déjà le dire, on va parler des aidants familiaux. Madame Gorelle Marine, soyez la bienvenue, puis surtout merci d'avoir accepté l'invitation à Zouk Télévision. Merci à vous de me recevoir et de donner écho à notre association, donc l'association martiniquaise des aidants familiaux. Vous en avez parlé. Oui. Voilà, tout à fait. Je la représente en tant que chargée de mission. Je prends la relève de Madame Stéphanie Victoire, qui est la présidente de l'association. Et qui œuvre depuis déjà 2008 pour le bien-être des aidants familiaux. Alors, on parle des aidants familiaux, bon, donc savent de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous pouvez, là justement, donner une définition, nous dire ce qu'est un aidant familial ? Alors justement, c'est bien de le rappeler parce que je pense qu'il y a des aidants qui s'ignorent aujourd'hui culturellement. Un enfant va soutenir, aider son parent ou son enfant. Mais aidant familial, en fait, c'est à partir du moment où on intervient au quotidien dans la vie d'un proche pour l'aider dans son quotidien, ne serait-ce que pour se déplacer ou pour l'hygiène. Voilà, l'aidant familial, c'est quelqu'un qui va aider une personne, mais à titre non professionnel. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 000 aidants familiaux en Martinique seulement, oui, parce qu'on a une population qui est vieillissante, on a une population qui souffre de maladies comme le cancer de la prostate. Donc voilà, donc c'est des gens qui vont devenir dépendantes d'un proche, de quelqu'un de sa famille, d'un voisin. Un voisin peut être aidant familial d'une personne. Et donc, on a, par exemple, on peut avoir une sœur ou un frère, mais souvent, une mère ou un père ou un grand-père qui a des difficultés et il n'y a personne, on est là et on prend sur soi. Et quand on travaille, des fois, on est obligé de laisser le travail, le métier, pour s'occuper de cette personne. Ça se passe comme ça, des fois ? Ça se passe essentiellement comme ça. C'est des gens qui mettent entre parenthèses leur vie personnelle et parfois leur vie professionnelle. Et qui se retrouvent aidants peut-être parfois du jour au lendemain, donc ils ne sont pas forcément préparés. Et l'association, elle est là pour les soutenir, les accompagner dans leur mission et de temps en temps les faire sortir de ce quotidien qui est parfois très difficile. Alors, on va parler de ce projet d'école que vous avez, mais comment vous pouvez aider quelqu'un ? L'association peut aider un aidant familial ou les aidants familiaux, comment l'association peut les aider si l'association ne connaît pas, n'a pas connaissance de la situation que, bon, mais il y a des aidants familiaux, des personnes qui s'occupent d'autres personnes, ou alors, dans le sens inverse, comment on peut aider des gens qui ne se disent pas des aidants familiaux? Alors, comment on fait pour les détecter, pour les dépister? Alors, il y a déjà une première démarche, c'est l'aidant qui va venir vers l'association en disant « j'ai besoin d'aide, je m'en sors plus, j'ai besoin aussi d'évacuer ce que je vis au quotidien ». Après, il y a un gros travail aussi qui est fait par les CCAS des communes. D'accord. qui nous communiquent, qui redirigent vers notre association. On a mis en place parfois des forums pour que la population qui ne peut pas forcément se déplacer puisse aller sur ces forums dans les communes. Et on a créé ce qu'on appelle un réseau de proximité. Donc ça va être des aidants familiaux de l'association qui sont formés et pour aller vers les aidants familiaux de leur quartier pour leur dire ben voilà, il y a cette association qui existe, elle propose des formations, elle propose des temps de répit. Il y a des formations pour ça. Voilà, il y a des formations, notamment les formations gestes et postures pour pouvoir avoir les bons gestes pour accompagner la personne en dépendance, pour que l'aidant physiquement il soit préservé. Voilà, nous on va s'intéresser au bien-être physique, au bien-être psychologique des aidants. Et il y a des moyens de vous contacter ?
Alors oui, on a un portable, le 06 96 94 51 42. On a également une adresse mail et un site internet. Donc le site internet amaf972.com et l'adresse mail asso.amaf972@amaf, association martiniquaise des aidants familiaux. Alors donc on va parler de présentation de ce projet. Projet d'école des aidants, projet de l'école des aidants de Martinique avec ouverture de cagnotte Litchi. C'est Litchi. Tout à fait. Alors, donc, il y a une école pour les aidants, mais ça existe depuis combien de temps ? Alors, on a signé un partenariat avec la mairie de Saint-Joseph récemment, en décembre 2021. Ah, c'est récent ? C'est récent, oui, tout à fait. C'est un projet qui est en construction depuis 2016, avec l'élan de Mme Stéphanie Victoire, donc présidente de l'association, et à l'époque, M. Christian Valla. Donc, c'est un projet qu'on a voulu... on a voulu aller au bout de ce projet puisqu'on estime qu'il est essentiel et après discussion avec certaines institutions, on nous a même dit que c'était un projet d'utilité publique. Utilité publique, je veux bien croire. Alors donc, ce projet de l'école des aidants, donc c'est pour apprendre les bons gestes, mais dites-moi Marine, mais pour faire... pour avoir un tel projet, pour mener à terme un tel projet, mais comment vous faites ? Parce qu'il faut de l'argent. Et ça coûte quand même. C'est ça. Oui, mais comment vous faites ? Comment vous avez pensé ? Vous avez déjà quand même pensé à ça ? Alors, on y a pensé. Il faut savoir qu'on est quand même soutenu par les institutions, mais aujourd'hui, les institutions, elles nous soutiennent dans des actions, notamment des actions de formation. Et aujourd'hui, voilà, l'école, on a des locaux. Donc, je vous l'ai dit, on a signé un partenariat avec la mairie de Saint-Joseph. Ces locaux se situent dans l'ancien hôpital Romain Blondet. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ce sont des locaux qui ont été inoccupés pendant plusieurs années. Et voilà, aujourd'hui, on a vraiment un besoin financier pour remettre en état ces locaux. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une cagnotte Litchi, où on espère faire appel à la solidarité de tous les Martiniquais pour nous aider dans ce projet, pour accueillir au plus vite l'ensemble des aidants familiaux de Martinique et leurs familles. Marine, c'est d'autant plus important que, comme vous le disiez là tout à l'heure, chacun d'entre nous, nous sommes des aidants familiaux en puissance. Hein? Tout à fait. Hein? Ça, peut-être qu'on ne sait pas encore, mais c'est vrai que nous sommes tous des aidants familiaux en puissance. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et justement, c'est important qu'on puisse penser à tout ça. Non, bon, c'est pas pour soi, mais peut-être aussi pour les autres, ça s'appelle la solidarité. Et donc, cette cagnotte Litchi, comment ça va se passer ? Comment ça se passe ? Parce que je crois qu'il faut aller sur un site. Alors, il faut aller sur un site qui est déjà... Donc, la cagnotte, elle est déjà en place. On a déjà eu quelques petites participations. Donc, le site, c'est litchi.com, litchi.com/c pour cagnotte, /école des aidants, le tout attaché. École des aidants, mesdames. Prenez École le temps des aidants, de... voilà. Mesdames et messieurs. Et, oui. Chacun est libre de participer. C'est tout, c'est tout. Voilà, tout à fait. Alors, litchi.com/c/école des aidants. Ah, tu n'avais pas dit .com, hein. Litchi.com. Litchi.com. Non, allez, reprends. Alors, litchi, litchi.com/c/école des aidants. Voilà. Là, ça a le mérite cette fois d'être le plus clair, d'autant que Manuela a réagi au quart de tour en nous mettant tout ça à l'écran. Merci Manuela. Alors, j'ai une question qui me taraude quand même. Les personnes qui sont au service d'autres personnes qui sont dépendantes, parce qu'elles sont des personnes dépendantes, ces personnes-là souvent laissent leur boulot. Mais comment ces personnes-là font pour vivre ? Vous avez certainement une expérience de personnes qui sont venues vous dire « Mais moi, je ne travaille plus, mais je vis avec la pension de mamie. » Comment ça se passe ?
Juste pour que les gens se rendent compte qu'il y a une sacrée Alors, misère de ce côté-là. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais que Mme Stéphanie Victor est plus à même par rapport aux droits des aidants. Il existe un congé de répit, voilà, mais qui est limité. Un congé de répit, c'est-à-dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre des jours de congé. En étant aidant ou en étant... En étant aidant, vous avez la possibilité de prendre des jours de congé. Non, mais congé. Ça, il faudrait être déclaré, pratiquement. Voilà. Après, il existe auprès de la CTM des aides comme aide personnalisée à l'autonomie. L'APA. Voilà, tout à fait. Donc l'APA bénéficie et c'est l'aider qui en bénéficie pour faire appel à des aides soignantes. Voilà. Après, on est sur un sujet administratif qui est vraiment assez particulier. J'ai pas encore toutes les clés en main, mais voilà, il existe certaines aides pour certaines aides financières pour soutenir les aidants. Ah oui, alors mais ça fait un moment que ça existe, ces personnes qui sont là, qui sacrifient leur vie, leur futur, même leur futur, à être au service des autres. Et est-ce que vous, au niveau de l'association, même avant que vous soyez dans l'association, des personnes qui sont découragées, qui ont envie des fois de quitter ce monde parce que c'est trop difficile, c'est arrivé? Vous avez eu à côtoyer tout ça? Alors, c'est une misère, non? C'est une vraie misère, non? C'est très dur psychologiquement, surtout quand on est dans l'empathie, c'est très dur de faire face à ces témoignages, parce que oui, en effet, ça existe. On a organisé en décembre l'année dernière, donc décembre 2020, on a organisé une conférence sur la crise suicidaire. La crise suicidaire. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose qui existe et qui... il faut savoir que la plupart, en majorité, les aidants partent avant les aidés parce qu'ils ne tiennent plus psychologiquement et physiquement. Et donc, est-ce que l'école des aidants, l'école qui sera consacrée aux aidants, bien sûr, va prévenir tout ça, va peut-être pour sauver la situation, parler de tout ça. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette école des aidants? Alors, dans cette école, l'aidant va se rapprocher de nous. On va faire un point avec lui sur ses besoins, sur ses attentes. Et de là, on va lui proposer de l'information parce que, notamment par rapport aux aides financières, on va lui proposer de la formation, on va lui proposer de l'écoute, donc l'écoute personnalité ou des groupes de parole. Et à chaque fois, en fait, il y aura un suivi pour savoir si un nouveau besoin est né de ces premiers entretiens. Et pour aller plus loin, je vous disais, parfois les aidants mettent entre parenthèses leur vie professionnelle. Ouais. On va aussi proposer des programmes de retour à l'emploi. Aussi? Oui. Comme si on retourne à l'emploi, qui c'est qui va s'occuper des personnes? Alors là, on est dans l'optique où l'aidant a perdu l'aidé. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Voilà, il y a une vie après le départ de l'aider et c'est parfois compliqué de retourner dans cette vie-là, en fait. Est-ce que, je ne sais pas si ça existe, mais est-ce qu'on a créé un statut des aidants? Officiellement, je ne crois pas. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais officiellement, je ne crois pas. Ah ouais, parce que c'est un problème de société majeur, on va dire. En tout cas, c'est bien que vous ayez dit ça. Alors, qu'est-ce que vous auriez souhaité dire que vous n'avez pas dit là, aujourd'hui? Déjà, je voulais encore une fois vous remercier de laisser la parole à l'association. C'est important pour nous. Voilà, l'association martiniquaise des aidants familiaux. Tout à fait. C'est important que les gens sachent que nous existions et que nous sommes là pour eux. Voilà, s'ils ressentent le besoin de parler ou de s'évader un petit peu du quotidien, voilà, l'association est là pour ça et l'école des aidants permettra de retrouver en un même lieu, voilà, tout ce qui est information, formation, écoute, parce que parfois il faut aller à droite, à gauche, et voilà, aujourd'hui on va essayer de travailler au maximum avec les partenaires privés et institutionnels pour que l'offre soit regroupée en un même endroit. Marine, vous disiez tout à l'heure que il y a environ 10 000 aidants familiaux en Martinique. Et je vois que c'est quand même une lueur dans cette nuit noire. C'est juste une école, les 10 000 aidants familiaux. Peut-être qu'avec l'association, il y aura d'autres projets qui vont se concrétiser dans d'autres communes, certainement. Peut-être. Et on l'espère,
vivement, notamment avec la mise en place des réseaux de proximité, vraiment travailler sur ça, aller dans les quartiers, parce que parfois les aidants n'ont pas la possibilité de se déplacer et n'auront peut-être pas la possibilité de se déplacer à Saint-Joseph, donc on espère pouvoir graviter partout dans la Martinique. Alors, est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone, s'il y a un numéro de téléphone, on peut joindre l'association et puis rappeler la cagnotte Letchi. Alors, le portable 06 96 94 51 42. La cagnotte Letchi, donc letchi.com/c/école des aidants. Le tout attaché. Alors, je vais voir https://www.letchi.com/c/école des aidants. Moi, je crois que j'ai tout dit, Manuela. Merci. En tout cas, Madame Gorel-Marine, merci pour tout ça et pour ce travail important. Hein? Vraiment, merci pour tout ça. Et puis, on espère que vous, amis téléspectateurs, eh bien, vous allez participer à cet élan de solidarité dont nous avons bien besoin ici en Martinique, s'agissant donc de ce projet de l'école des aidants de la Martinique ou de Martinique, grâce à cette cagnotte Letchi. Mais si on veut donner par un autre moyen, est-ce possible? Oui, bien sûr. Après, vous pouvez donc nous contacter donc sur le portable ou sur le site internet. Et on a également mis en place, on a fait un appel aux dons physiques, donc des dons en mobilier, bureau, table, chaise. Voilà, on essaye de. Ah, mais Marine, il faut tout dire, Marine. Voilà. Marine, il faut tout dire. On a besoin aussi de meubler. C'est locaux, donc si vous avez des... Non, ne les jetez pas, parce que vous appelez au 94 51 42, c'est un portable, et ben, vous allez faire un plaisir. Non, vous allez carrément ramener tout ça, ça va leur faire moins de dépenses, ils ont besoin d'argent. N'est-ce pas, Marine? C'est parfait. Voilà. En tout cas, merci pour cette bonne humeur, merci ce cœur, j'allais dire, hein, c'est presque ce professionnalisme de gérer les choses, de bien faire les choses à ce niveau-là. Vraiment, merci pour tout ça. Et puis, vous allez nous tenir au courant, vous reviendrez sur Zouk Télévision pour nous parler donc, de l'évolution de ce projet et de comment ça aboutit. Avec grand plaisir. D'accord. Et vous serez également les bienvenus dans l'école. Bien, Manuela, je pense que tu as entendu. Merci Marine, Madame Gorel Marine. Par contre, mais ça c'est autre chose. Et Manuela, merci pour la partie technique et puis à vous, à mes téléspectateurs qui nous faites souvent et toujours l'amitié de nous suivre. Merci et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.